Les règles de YouTube ont changé. Donc surtout, si t'es abonné à la chaîne, active la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et si t'es pas abonné, abonne-toi en appuyant sur le petit bouton rouge en bas à droite. Salut, salam, shalom les gars. Bon retour de vacances, on est de retour, c'est la rentrée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous attendez depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient. Je suis parti sur un site chinois. On a pu trouver une paire de crampons qui coûtait 1€. Trafi, s'il te plaît, tu me l'envoies. Et hop, une paire à 1€, elle est là-dedans. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça vaut le coup d'acheter une paire qui coûte 1€. On va voir à quoi elle ressemble. Comme d'habitude sur les tests, sur les comparaisons, etc. On va d'abord tester les produits normaux. Donc là, à mes pieds, j'ai... À mes pieds, actuellement, j'ai des Nike Phantom GT noirs et roses qui ont une valeur de 300€. Alors, on fera une partie avec les paires normales pour voir ce que ça donne. Bien sûr, les sensations seront classiques, mais il faut au moins qu'on ait un point de comparaison. Et ensuite, en deuxième partie, on partira sur ces chaussures-là. Let's go! Donc les gars, on va d'abord commencer par des chaussures normales. Donc là, celle-là, c'est la mienne, c'est celle avec laquelle je joue habituellement en match ou en vidéo. C'est la Phantom GT, la toute dernière qui vient de sortir, donc elle coûte 300€. Vous voyez comment elle est. Je suis bien dedans, elle est légère, elle est pas trop relou, elle tient bien la cheville, elle est bien dans mon pied. Donc voilà, elle est parfaite, vous voyez comment elle est. Vous voyez les filaments qu'il y a dessus, vous voyez la technologie qu'il y a dessus. Donc ok les gars, chaussures normales, ça commence maintenant, let's go. Premier but, je rigole, c'est pas la première fois. Mais il y a des youtubeurs qui font ça, je le sais. Oh, je m'arrache. Ah, ça fait du bien de revenir, de remettre des grosses frappes, de remettre des top buts. Ça fait du bien, ça. Il manquait cette semaine de repos là. Voilà, ça fait du bien de ouf, frère. Ça fait trop du bien. Il ne faut jamais te laisser la suite. Elle fallait pas venir. Mousse Velec. Des fois il y a des jours où j'arrive à frapper un peu normalement à droite à gauche, c'est pareil. Mais il y a des jours où j'arrive plus à frapper à droite et j'arrive à frapper qu'à gauche. Des jours où j'arrive plus à frapper à gauche et j'arrive à frapper qu'à droite. Là aujourd'hui j'arrive pas à frapper à droite, mais à gauche ça va. Bon voilà les gars, on a terminé la première partie avec les chaussures normales. Vous avez vu ce que ça donnait, que des top buts, que des golasso. Trafi, je sais que t'as apprécié. Il a apprécié d'ailleurs. C'était sympa. Voilà, t'es venu en tant que caméraman, ouais. On t'a offert du spectacle. Ouais, du spectacle. Maintenant on va partir sur les Ouais, vas-y, bah, coupe-moi la parole si tant qu'on y est. Maintenant on va partir sur les chaussures à 1€. Donc je vous rappelle, je les ai commandées sur Wish. Elles ont mis un mois à venir. En vrai de vrai, la paire a été à 0€, mais le prix de livraison était à 1€. Je comprends pas l'intérêt en fait. Le bénéfice il est où? Le bénéfice il est là, où? Là je comprends pas. Parce que les frais d'expédition ça leur coûte plus qu'un euro donc. J'ai acheté des Nike, hein. Je vous préviens, de base j'ai acheté des Nike. C'est pas des Nike, c'est des Nike. Voilà, je suis pas sûr que ce soit des Nike. Donc vas-y, on va pas tarder, on va ouvrir le truc. On va voir à quoi elle ressemble. Je sens que je vais être derrière. Sacré bleu. Ah ouais. C'est censé être des quoi? Des mercuriales? C'est censé être des super fly gros. Regarde la chaussette. Ouais, c'est un tacos frère. Tu vois comment c'est dur. C'est moi le logo Nike qui fait tout le tour. Oh, j'ai pas vu ça. Voilà, j'avais pas vu ça. Voilà, je croyais que ça s'arrêtait au milieu. Comment tu mets ce produit là à 0€ de base? Franchement, je crois que j'ai peur de mettre mon pied dedans. La matière elle est bizarre, tu vois, c'est du daim on dirait. Si tu la moutes, ça devient lourd, c'est cramé. Et ça là, voilà, touche. On dirait des nachos.
Ouais, c'est pas élastique. Donc on va tester les gars, on va jouer avec, on va voir ce que ça donne. Tu vas jouer avec ça. Je vais me casser la joue avec ça, ouais. Vas-y, hein, frappe avec, on va voir. Si je te mets un top but avec ça, ta carrière, elle s'arrête là. Non mais j'ai été touché mentalement à la première partie de vidéo. Imagine, elles sont incroyables. Regarde, j'achète top but sur top but. Putain, 1€ la paire. Oh là, je suis choqué. On va aller faire un tour sur Wish, moi aussi, tout à l'heure. Déjà, les lacets, là. Voilà. Franchement, je suis pas mal dedans. C'est pas dégueu, genre. Voilà, c'est pas dégueu du tout. C'est un peu large. En fait, c'est un peu large sur le côté. Donc pour ceux qui ont des gros pieds, c'est parfait. Je sais qu'il y a beaucoup qui achètent pas de Nike parce qu'ils ont des pieds larges et que Nike c'est fait pour des pieds fins. Si jamais vous avez 1€ dans votre poche. Je suis bien dedans. On dirait que j'ai mis des. Oh, ah, c'est bon, je comprends pas, je suis bien dedans. C'est des chaussures normales en vrai. Et ils ont juste mis des crampons en dessous. Voilà, c'est ça le truc. C'est vraiment des chaussures normales. Alors, regarde le bout comme il est rond. Et il est pas en pointe, il est pas genre en mode comme ça, en pointe. Ouais. Celui-là il est rond. Il est rond. T'as bien tout droit de Chine. Libérez les Ouïghours. T'as rien à voir dans la vidéo. Là d'un coup la vidéo avec. Cette vidéo a été supprimée de YouTube. C'est des quoi tes gants? C'est des Wish aussi? Non, non, ça c'est des RG ça. Alors pourquoi t'arrives pas à arrêter les buts? Oh, c'est pas à cause des gants, c'est mentalement j'ai été touché, tu vois. Mais c'est moi, bon, je sais quel but qui t'a touché, c'est la lucarne pour te rentrer. Ouais, la lucarne. C'est celle-là qui t'a en fait. En plus, première frappe, il met une barre donc. Autant te dire que c'est dur hein. Parce que dans un club de foot et tout, tu vas-y, je viens pour jouer, je suis sérieux et tout. Quand t'arrives, tu vois un mec comme ça. Tu fais quoi? Déjà, premier essai. On jongle. Je sors pas la balle. Déjà, je ne sors pas la balle. T'as l'impression que je jongle avec des ballons de baudruche tellement le. En fait, la matière, elle est épaisse de ouf. Elle est épaisse de ouf et je sens rien. Elles ont l'air trop grandes. Mais en fait, c'est ça. Non, c'est pas qu'elles sont trop grandes, c'est qu'elles sont à la bonne taille. Mais ici, là, vu que c'est rond et qu'un pied, ce n'est pas rond, là, il y a du vide. C'est la partie où ça descend au niveau des orteils, quand ça va du plus grand au plus petit. Mmh. Mais normalement, c'est censé suivre la chaussure. Mais là, ça ne fait pas. Comme la frappe avec les nokes. Ça va être compliqué hein, parce que je frappe avec une zone du pied qui est mal faite là. Et en même temps j'ai envie de vous dire, si j'ai déjà marqué avec des pantoufles, je peux marquer avec ça. C'est lui qui a des faux gants hein. Parce que là la parade il aurait pu la prendre. Par contre c'est chaud de tirer à l'intérieur du pied. La chaussure est vraiment toute ronde, genre vraiment ronde de chez ronde. Trop impossible de vraiment bien la lifter comme ça. La paire elle est épaisse, au lieu de prendre la balle encore plus en dessous pour vraiment la lever. Mais vu que je la prends plus en dessous, ça la lève encore plus haut. Du coup c'est chaud de la garder à hauteur des buts. Et ben je te jure qu'avec cette chaussure là, je ressens tous les crampons. Je te jure, tu vois, toutes les pointes là de crampons, je les ressens sur mes pieds à chaque pas. Je te jure, c'est horrible. Ça fait clac, 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 clac à chaque pas. Vraiment, c'est comme s'il n'y avait rien entre le crampon et mon pied. J'ai appuyé les gars, ça me sent trop mal au niveau des crampons du coup, mais aussi au niveau du talon. C'est le talon qui frotte de ouf la chaussure. Quand même, avant de finir, parce que là, je ne pourrais plus tout à longtemps. On va essayer de frapper en flottante pour voir ça donne quoi. Pour voir surtout si on peut frapper en flottante avec ces chaussures là. En 10 minutes, elle m'a pété les pieds. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais on voit les crampons là. L'impression que j'ai des buts, c'est que tu contrôlais pas trop les effets. Je contrôle rien du tout. Ouais, voilà, tu contrôlais pas les effets. Ça, ouais, et ce rond là, je peux rien faire avec. Je peux rien faire. C'est comme si je frappais avec une basket ou comme si je frappais avec une chaussure de ville. Mais je peux absolument rien faire. Je peux pas mettre d'effet intérieur, je peux pas mettre de flottant, je peux rien faire. Je peux même pas mettre de la puissance. Parce que si je mets de la puissance, la chaussure, c'est du 45 hein. Mais vu qu'elle est épaisse, elle touche le sol plus rapidement qu'avec des crampons normaux. C'est-à-dire quand je mets de la puissance, en général je frappe la balle limite entre le sol et le ballon. Mais avec celle-là, vu qu'elle a une épaisseur, c'est-à-dire que je touche le sol à chaque fois. Donc je suis obligé de maîtriser ma frappe pour pas toucher le sol. Du coup je peux pas mettre plus de puissance que ça, que ce que vous avez vu là. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo avec la paire 1€. Hors de question que je les remette un jour dans mes pieds. Je sens les crampons en dessous, ça m'a fait mal aux chevilles. Je pense que je reste 10 minutes de plus avec les chaussures à jouer au foot. Je saigne. Et tu sais quoi, c'est quoi, c'est quoi, on va faire tout ça. On les fait gagner. Je vous les fais gagner.
Mais c'est quoi les gars, je vous l'ai fait gagner, je sais pas comment, sur Instagram ou sur Twitter ou ici, je sais pas. Non, sur mon Instagram directement. Voilà, en plus j'en profite pour faire une promo pour mon Instagram. Vous avez mon Instagram ici, Boum et Sama. Vous allez venir et je vous l'ai fait gagner. C'est des knocks, des vraies fausses knocks. Je vous l'ai fait gagner et je sais pas, il y aura, ouais, un nom d'entre vous, je l'enverrai et vous m'envoyez une vidéo avec ces chaussures là, qu'on rigole un peu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres objets que vous voulez voir tester sur cette chaîne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Ciao.